vivre chastement aujourd'hui, c'est aller à contre-courant. Nous sommes appelés à suivre Jésus à l'encontre de la culture actuelle. Pour trouver la sérénité et la joie, il faut vivre conformément à la volonté de Dieu. Il nous a créés à son image, et si nous suivons ses commandements, nous allons connaître le bonheur. Jésus n'a pas dit que ce serait facile. En fait, il a dit, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » La chasteté est un défi, mais elle n'est pas impossible. Nous pouvons nous entourer d'amis qui veulent aussi vivre chastement, de gens qui peuvent nous soutenir en chemin. Nous pouvons nous habiller modestement, conscients d'avoir été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et en sachant que notre corps est sacré. Nous pouvons choisir nos loisirs, rechercher ce qui élève l'esprit humain en exprimant la vérité, la beauté et la bonté. Et surtout, nous pouvons vivre en union avec le Christ en recevant régulièrement les sacrements, en particulier le sacrement de la réconciliation. La pratique de ce sacrement, non seulement pour confesser nos péchés d'impureté, mais pour discuter de nos tentations avec un guide spirituel, peut aider à purifier notre esprit et notre cœur. Elle pourra nous enseigner l'humilité dont nous avons besoin pour accepter notre faiblesse tout en nous dispensant la force du Seigneur pour grandir dans la chasteté.